Bonjour les amis, aujourd'hui on va avoir de la compétition et on va avoir de la devinette, de la compétition entre top 10 des youtubeurs français en nombre d'abonnés entre 2013 et 2021. Savez-vous qui est le premier? Personne ne le sait parce qu'il n'y a pas de nom ni la période. Mais vous allez voir sur ce graphique animé toutes les évolutions, qui est premier maintenant, qui va être peut-être dernier après, mais sur les 10 exactement, mais ça va bouger, monter, descendre, et tout ça, vous allez avoir une idée vraiment animée de tout ce qui se passe. Mais est-ce que, la devinette, est-ce que vous connaissez qui est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième? Vous allez être étonné, parce que vous allez suivre ça, bien entendu, sur cette vidéo. Et cette vidéo, pour la regarder, je ne peux pas vous la montrer moi parce que c'est interdit par YouTube. Mais dans la description, vous avez un lien qui est cité en tête de la description. Vous cliquez dessus et vous allez voir ce mouvement, cette animation, et vous allez suivre. C'est vraiment passionnant. Je vous souhaite un bon visionnage. Mais avant tout, regardons qui a fait quoi. D'accord? Ok, mais il faut pas non plus oublier celui qui a fait ça, parce que je suis obligé de vous présenter quand même la chaîne qui fait ce genre de travail. C'est Statox, 1490 abonnés, ils sont là, Animated Statistics, voilà. Et puis voilà, ils sont à 1250 en haut du graphique, et en bas du graphique, ils sont à 400 par jour. 438, ben, c'est pas un très très gros, très 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 grosse chaîne, mais ce que elle va vous montrer là, c'est extraordinaire. Ben, je pense que moi, personnellement, je préfère ce genre de vidéos aux autres, bien sûr, toute proportion gardée. Alors, les vues, c'est 211 000 vues. Ils ont seulement 30 vidéos, mais des plus percutantes. Et puis, les vues, les derniers 30 jours, c'est 20 900 vues, avec 3 vidéos seulement. On peut le vérifier ici. Voilà. Alors, le nombre de vidéos, voilà. Voilà, ils sont les trois. Une, deux, trois. Alors que, imaginez, ça c'est moi. 33 vidéos un seul jour. Oh là là. Oh là là. Bon, c'est pas là notre but. Bon, les subscribers, donc ils sont à 5 à 10 par jour, jusqu'à 0, mais bon, voilà, il se tourne autour de 5 subscribers par jour. Bon, c'est pas une très très grosse chaîne, répétons-le, mais voilà, ils font beaucoup de choses, voilà ce qu'ils font. Ils parlent de, par exemple, milliardaire le plus riche, que certains, bien entendu, ils font la même chose, ça bouge, regardez. Non, c'est pas. Voilà, vous voyez que c'est animé, voilà, ça s'anime. Voilà, ça s'anime. Ça, c'est les sagas des jeux vidéo les plus vus, je pense, ou les plus. Voilà, regardez. C'est comme ça que vous allez voir les choses. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent, mais la plupart vous ne connaissez pas. Mais ça vaut la peine quand même de jeter. Voilà. Les 10 youtubeurs, voilà, c'est quelque chose d'autre, ça. Mais là, ce que nous sommes en train de voir, c'est surtout en nombre d'abonnés, ok? Notre vidéo, elle concerne le nombre d'abonnés. Et là, bon, ils ont le nombre de vidéos, il est là. Toutes les vidéos sont là. Alors, si je sais compter, c'est 5 par rangée, donc 10, 20 et 30 vidéos. Ils n'ont pas beaucoup de vidéos non plus. Et puis, voilà, ben, ils se présentent, comment ils se présentent, voilà ce qu'ils disent. Pour les connaître, ils ont un long texte, ça va me... Bon, ok, d'accord. Alors,
Bienvenue sur la chaîne Statox Statistics Animé. Ok. Nouvelle vidéo tous les vendredis, c'est très bien, sauf les semaines où le sondage est lancé le mardi. On est d'accord. Statox te présente des statistiques en graphique animé. Des tonnes de vidéos vont arriver des sujets les plus fans aux plus engagés. L'objectif de la chaîne est de pouvoir communiquer au plus grand nombre les informations concernant le développement durable, entre parenthèses, les données sur l'économie, le social et l'écologie. Statox soutient les 17 Sustainable Development Goals, SDG, de l'ONU et souhaite informer les populations des problématiques mondiales afin de participer au développement d'un monde meilleur. Renseigne-toi sur, voilà, si vous allez dans leur chaîne, dans leur partie, bien sûr, à propos, vous appuyez sur ça et puis vous allez découvrir de quoi il s'agit exactement. La stratégie de la chaîne est de pouvoir proposer également du contenu plus fan, plus élargi, pour élargir l'audience et avoir plus d'impact. Alors, si tu partages ces valeurs et surtout si tu aimes les vidéos, abonne-toi et active la cloche. Contact, etc. Voilà, ils sont à 211 447 vidéos à ce jour. Ils ont commencé depuis, ils sont là depuis juillet 2019. Bon, voilà, alors je vous laisse découvrir leur savoir-faire. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, etc., etc. Merci et à la prochaine.